Nous sommes en direct, chers téléspectateurs. Ne vous en faites pas. On passe un très bel après-midi sur cet rendez-vous, l'émission officielle, l'émission qui vous permet chaque week-end, comme cela, de découvrir les nouveaux talents, d'être en accord parfait avec de la bonne musique, de la culture de chez nous. Oui, c'est le seul espace, ça vraiment, sans nous jeter les fleurs, on le sait et on le fait pour vous. Et sans vous, nous ne serons pas là. Alors, retour sur cette émission après Monsieur Blar Larue et Mani de Black City, donc les producteurs de bois qui invitent les jeunes pendant ces vacances à aller danser un peu, faire la fête. Nous étions également avec Rosine Ebois, belle peintre, belle artiste, peintre camerounaise, bien évidemment établie aux États-Unis et qui nous a offert une exposition la semaine dernière. Je vous amène sur la scène là-bas, on va rencontrer vraiment du Haute Bikutsi. Oui, c'est la première fois que vous la voyez en télévision. Et DBS est toujours la première chaîne à vous offrir les premiers. La voilà, Vanessa Compressor. Le phénomène. Quand le chat n'est pas là, la souris danse, danse et danse. Quand le chat n'est pas là, la souris danse, danse. Quand le chat n'est pas là, la souris danse, danse et danse. J'aime le biberon des mamans. Je n'aime pas le biberon des papas. Pourquoi? Parce qu'il y a les yeux beaux dessus. Et papa non toujours son biberon, maman. Aïe, aïe. Soma fala. Gawa yemen makma yo.
ils sont partout. Nili, Niligi, ils sont partout. Tini, Tinigi, ils sont partout. Nili, Niligi, ils sont partout. Tabito Maiwa, Oblima, Oblima, ils sont partout. Vanessa Compressor, oui, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça va bien? Ça va. Alors, prends place. Voilà. Alors, quand le chien n'est pas là, c'est galère totale. Quand la souris n'est pas là, explique-nous un peu avant de revenir sur ta carrière, explique-nous le contenu de cette thématique. Ouais, c'est toute la galère totale, par exemple. Je me suis basée sur ce que nous vivons au quotidien tous les jours. Ouais. Vous voyez par exemple la vie qui est difficile là dehors. Sorry, j'ai la voix qui craque là. Tu vois, les femmes et les hommes passent par là pour faire du n'importe quoi. Vous voyez les guerres qui se passent partout, comme en Syrie. Tout ça, c'est dû à la galère. La vie est devenue difficile. Et en temps normal, une femme est faite pour le foyer, mais à cause qu'il n'y a pas d'argent, les femmes font du n'importe quoi, ils vont à la prostitution et tout ça pour avoir de l'argent. Donc ce que j'essaie de dire aux femmes dans le message, c'est que de faire ça, elles peuvent bien se battre d'autres manières à pouvoir avoir de l'argent que de faire n'importe quoi. N'importe quoi, ouais. La rue par exemple, mais ça paye la rue. Je n'y sais rien, donc... Moi, j'ai vu des... Il y a Yaoundé, quand tu vas à Yaoundé, il y a des quartiers, on dit, voilà, les châteaux suisses. C'est-à-dire, donc, les femmes qui sont en Suisse, grâce à leur corps, elles ont pu construire chez elles, ici au Cameroun. Alors, compressor, ça fait également effet. Compressor, la petite voiture... Oui, anyway, la compression, c'est une voiture de haut de gamme, comme nous le connaissons, tout à fait. Ouais. Mais qui transporte les hommes de luxe. En fait, oui, c'est ce que je suis, mais j'aimerais que c'est le public qui confirme, quoi. Parce que allons déjà, c'est eux qui m'ont attribué ce nom, mes fans. Donc, il faut aussi que ceux du Cameroun, en effet aussi, qu'ils puissent vraiment m'attribuer quand ils vont me découvrir. Donc... Alors, je rappelle que tu résides en Angleterre, à Londres, depuis, je crois, plus de 5 ans maintenant. Ouais, 9 ans. 9 ans, ouais. Oui. Et tu es là-bas, belle esthéticienne. Ouais, tu t'occupes des hommes et des femmes là-bas sur le plan de la plastique. Ouais. Et désormais, tu vas t'occuper de tout notre corps parce qu'on va danser ta musique. Alors, c'est une nouvelle étoile qui apparaît sous le ciel de la musique au Cameroun. Il y a eu... Catino, c'est la mémé, et elles sont